Bonjour Miss. C'est madame ou c'est Miss? Ça va? C'est la première fois que j'ai ici? Vous êtes habillé comme ça? C'est pas maquillé. Hein? C'est l'hôtel. Hein? Ah! Eh bien, Séraphin. Bonjour, mais. Il y a quoi et puis tu parles comme ça? Ton problème est où? Moi, je m'adresse à mes clients. Toi, ton rôle ici, c'est de servir les clients. Tu m'entends? Comme tu es dans une bulle, toi, tu es dans ton rêve. Tu sais pas ce qui arrive et tu me dis, je parle seul. Dans le pays, c'est quel truc? Ah! Affaire de Saint-Valentin, ça bruit partout. Moi, j'ai des problèmes. Ta patronne, depuis qu'on lui a confié la direction de l'hôtel, elle croit que la vie est facile. Celle qui va organiser fête. Des fêtes en un point fini. Voilà, affaire de Saint-Valentin qui arrive. Moi, je fais comment? Ma chérie a appris qu'il y a Saint-Valentin. Elle m'envoie des SMS, j'ai qu'à lui offrir cadeau. Oui, toi, Olivier, tu dis tu es... Hier, jeune looké, tu as fait quel lit? Non. Je fais comment? Ah, mais... Bon, c'est Raphaël. C'est quand même toi, hein? Tu peux lui offrir un petit cadeau de ton budget, hein? Offrir quoi? Tu sais quel genre de cadeau elle prend? Tu connais son goût? Sa pommade, là, tu connais? Et toi, tu es là, tu peux lui offrir un cadeau simple. Elle t'a dit qu'elle veut un cadeau moins cher? Vous, là, rêvez. Niki, rêve avec ta petite mâchoire de chinoise. Toi, tes petites narines de danseuse, là, rêvez. Anatole, je parle et tu me regardes. Oui? Bonjour. Oui, bonjour. C'est vous qui apprenez l'enseignement? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Ça va, Letty? Niki, ça va? Vous riez, quoi. Ça vous plaît? C'est pourquoi? Vous m'avez dit qu'il y avait une réception de Saint-Valentin. Donc, vous aimez ça? Saint-Valentin, Saint-Valentin. Et vous êtes Valentine? Il y a un problème, monsieur? Aïe! Vous me demandez, il y a un problème. C'est moi le DAF de l'hôtel. Oui. Voilà. Donc, le problème, c'est ça. C'est moi le DAF. Et puis après? Donc? Mais la petite. Aïe! Yeri! Tu veux me parler mal? Les gens évoluent. Tu crois que tu es blanche? Mais c'est quoi votre problème, monsieur? Voilà, mon problème, c'est qu'il y a Saint-Valentin et ça me perturbe les ménages. Et ah. Alors? Allez-y, faites votre choix. Moi, en entrée, je vais prendre une tarte au saumon avec ses feuilles vertes. D'accord, tarte au saumon, aux feuilles vertes. Et vous? Moi, je vais plutôt prendre la salade surprise, ça me va. D'accord, salade surprise. Avocat aux crevettes, s'il vous plaît. Avocat aux crevettes. Et moi, juste un peu de soupe de mouton avec du riz, je pense que ce sera bon. Excellent choix. Pépé soupe. Ok, monsieur. Ok. Je pense que ce sera bon. Hein. Si, bien sûr. Okay. Parce que je suis une habitude, je suis un vrai. D'accord. Et encore merci d'avoir choisi notre sanctuaire. Merci, merci, monsieur. Alors. Le menu a-t-il été à votre convenance? Pas ça. Alors, en termes de boisson, voilà, ce sera. Du vin blanc. Vin blanc. D'accord. Vin blanc. Ok. Et vous? Okay, on va prendre du vin blanc alors. Vin blanc, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Ça n'en va fait comment? Si la femme, elle est où? On n'a pas de téléphone et pas. Laetitia, Laetitia, mais où est la cuisinière? Regarde la liste, comment? Elle est où? Quand tu vas d'ici là, tu vois combien de personnes? Hein? Et puis, c'est à toi qu'on doit poser sa question. C'est pas toi qui l'as recommandé. Voilà, maintenant, du moins, tous les clients seraient s'impatienter. Yedio, vous deux, là, c'est pour une cuisinière qui est absente que vous paniquez comme ça. Mais c'est pas fou, c'est pas compliqué. Nos clients habituels, on va leur servir les plats qu'on a pu les servir ici. Ils vont s'en contenter. Pour ça je m'en occupe. Hein. Maintenant, votre table de 8 avec les commandes bizarres, bon, pour ça, vraiment, enlevez-moi là-dedans. Quoi. Et puis, c'est pas compliqué. La dame, elle a déjà tout préparé. Il reste à cuire, puis à servir. Appelle-la. Elle est joignable. Viens, je vais citer. D'accord, là, je vais. Et puis, Olivier, où t'as fait ramasser la femme là? Hein? En tout cas, moi, je ne veux pas aller prévenir madame Lola. Hein? Et puis, elle ne veut plus dans la salle là-bas. Elle fait des femmes ça là. Une femme, t'as pas parlé de femme. Ah, mais. Letty. Mais toi, tu es une femme, non? Donc, essaie de préparer quelque chose, hein? N'importe quoi. Moi, je ne suis pas cuisinière. Et puis, si tu veux que je fasse quelque chose, là, moi, il y a du niagam et tout. Et puis, dans ta, tu t'en servis. C'est d'accord. C'est bon, il faut donner ce qu'il y a. Ouais. C'est quoi ça, là? On dirait qu'ils ont fait par là dans mon assiette. Ah ben toi, t'as de la sauce, hein. Moi, ma salade surprise me surprend tellement que j'ai peur de la manger. Mademoiselle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Où sont mes tartes? Purée, là, ça devrait pas me manger, là. Où sont mes tartes? Je vais en cuisine, je reviens, madame. Mademoiselle. Monsieur. J'ai commandé de l'avocat aux crevettes. Où sont les crevettes? Non, tu vas pas me dire que les crevettes se trouvent en bas de l'assiette. Ou bien je ne vois pas clair. Je reviens, monsieur. En plus, elle sourit. C'est ça. C'est à qui le responsable ici? On est venu faire quoi ici même? On va à l'ailleurs. C'est mieux. Excuse-moi. Excuse-moi beaucoup. C'est quoi? C'est parce qu'on a dit. Calme-toi. C'est bon, intéressant. Cauchemar, ouais. Madame? Je suis désolée. On me signale en cuisine qu'il n'y a plus d'entrée, que ce sont les dernières qu'on a servies. Attendez, vous blaguez ou quoi? Bon, c'est pas grave, c'est vrai, c'est que vous avez. Parce que là, ça commence vraiment à m'énerver cette histoire. D'accord, bientôt. Tu peux te dépêcher, toi. Pourquoi tu as vu une blague? J'en ai ma claque maintenant. Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.
Chut. Le coupeur de calèche de la zone. C'est ça. Il y a où fait un qui aille. C'est Valentin, ouais, ouais. Tu dois oublier tes gourmets. Tu vas te manger avec. Non, mais où? C'est à quoi? Petit. Petit. Viens voir. Tu vois, tu es romantique comme ça. Tu es naze, hein? Tu es ridicule même. Quand il m'a coupé, il refait un deuxième qui aille. Comme il filme les points, t'es pas un petit. Lola, t'as encore couché? Tu sais pas qu'on a rendez-vous avec... Oh, mais écoute, réveille-toi. Hein? Tu oublies qu'on doit aller voir Monsieur Jay pour les carreaux. Oh, c'est qui ton Jay, là? Monsieur Jay, pour les carreaux. Oh, non, tu peux me faire ça. T'es fatiguée? Oh, je suis pas prête, franchement, je suis fatiguée. J'ai une nuit trop pénible. Alors, mais... Et la Saint-Valentin? C'était catastrophique, maman. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre tes cuisiniers qui se sont volatilisés. C'est pas vrai! Il y en a d'autres qui se sont pris pour Céline Dion. Je sais pas si c'était une soirée ou un one... je sais pas moi, comédie show. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est fini, je les vire. Je les vire. Ah, maman, c'est ton staff qui est comme ça. Moi, je suis venue le trouver. Ils sont tous folkloriques. Non, 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 je vire tout le monde et je prends de nouvelles personnes. Il y a un service de recrutement pour ça. Je les vire. Allez, tu te lèves, on va aller voir M. Gay et on verra le reste après. C'est et ton, Justin, là, il était là-bas ou lui aussi? Non, heureusement. Ah bon, heureusement, bon, d'accord. M. Gay, c'est le monsieur, l'entrepreneur, là, celui qui s'occupe des carreaux. Tu as dit que tu voulais changer certaines choses, non? Mm-hmm. Ah, mais c'est ce qu'on va faire. Allez, dépêche-toi. Chérie, lève-toi, habille-toi rapidement, on va partir. Sinon, il va nous attendre pendant longtemps. Maman. Allez. Je t'attends, dépêche-toi. Oh. C'est ça, mais attends. Mais regarde, toi, tu critiques tout, regarde. Tu vois comment c'est beau? Ouais, c'est qu'est-ce que je t'avais dit? Il y a un peu de goût, c'est bien. Ah, bonjour, jeune homme. Bonjour, ça va? Bon, nous sommes venus voir un peu vos articles pour notre établissement. Et nous avons rendez-vous avec M. Gay, qui doit nous aider. Moi, je suis Madame Dion, boutique hôtel. Oui, oui. Allez-vous la faire pour moi. Merci. C'est bon, regarde, tu es jaune. Attends, tu bois déjà, regarde au moins. Ça ne te plaît pas? C'est un peu vieillot. Il y a des couleurs qui sont bien. Oui, oui, mais c'est à toi de choisir. Regarde, là, par exemple. Ça c'est ton style. Ça bonjour, mesdames. Je suis Jay, le manager. Madame Durand, n'est-ce pas? C'est ça. Bienvenue comme vous venez. Alors, comment est-ce que vous allez ce matin? Oh, ça va très bien, jeune homme. Allez, bonjour. Allez, je vous présente ma fille, Lola. C'est la gérante de l'hôtel. Alors, comment est-ce que je peux être à disposition ce matin? Bon, on est venu, on a la liste de tout ce qu'on veut, c'est à elle de tout vous expliquer, hein, chérie. Tu expliques à monsieur tout ce que tu alors, veux. Alors, en hein. fait, c'est pour le lobby de l'hôtel. Ouais. Je cherche quelque chose déjà qui casse un peu avec la déco qu'on a, que Madame Durand avait déjà faite. Donc, quelque chose pour changer un petit peu parce que, bon, avec les. Voilà! Tu vas tout expliquer, monsieur. Moi, j'ai vu un même. Non, je vais aller voir, je reviens. Tu lui expliques tout ça toi-même, hein? Maman. Tu as dit que tu allais le faire, pardon. Laisse pas tout seul ici. Oui, chérie, mais je te fais confiance. J'ai vu déjà que tu sais ce que tu veux. Allez, tu lui expliques tout. Moi, je reviens tout de suite. Hein? Ça marche? Elle est superbe. Elle aime m'embarrasser plutôt. Hein. Alors, comme ça, vous êtes en train de faire la déco de votre hôtel? Oui. Que vous aviez comme idée? En tout cas, je veux quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, donc quelque chose de très frais, de très coloré. Et je voulais juste vous demander quelque chose. On doit refaire, je veux qu'on fasse un peu les travaux chez moi, aussi à la maison.
c'est possible. D'accord. Enfin, mais... vous faites l'hôtel et puis ensuite vous passez chez moi. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis à votre entière disposition. Il suffit juste que vous m'indiquiez la maison et je viendrai. D'accord, voilà. D'accord, c'est gentil. Donc, c'est gentil. Pour les carreaux, voilà, on a deux différentes teintes. Ouais. On en a pour le sol et puis okay. On a pour d'autres pièces. Donc, c'est comme... ouais, là, par exemple, ça serait bien pour le sol. Voilà. C'est sûr.